Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout petit bilan acquisition de la semaine, étant donné que j'ai juste 4 livres à vous présenter et 2 marque-pages. Donc ça va être assez court, mais bon, je voulais quand même faire une vidéo, donc bon, tant pis, c'est pas grave, elle sera courte. Donc on va commencer par le marque-page. Donc j'ajoute à ma collection de marque-pages 3D, commencé la semaine dernière avec celui, le rose avec l'oiseau, si vous l'avez vu. Donc j'en ajoute 2. Un avec des poissons, hop, et un avec plein de coccinelles. Donc je pense que pour l'instant ma collection s'arrêtera là, étant donné que les autres sont soit ne sont plus disponibles dans le magasin, soit sont pas forcément terribles. Je préfère ceux qui sont plein de couleurs, donc ceux qui sont juste un peu blancs, bah, c'est moins intéressant. Donc je surveillerai au fur et à mesure dans le magasin si je passe, s'il y en a d'autres, et puis on verra bien. Ensuite, j'ai eu un livre, samedi dernier je crois, que j'ai eu gratuitement, ma mère ayant acheté, ayant acheté donc 2 livres de poche, il y en avait un gratuit. Donc j'ai pris le livre en première partie de Kaamelott d'Alexandre Astier, chez J'ai lu. Ensuite, j'ai reçu hier 2 partenariats avec Panini Books, donc Homeland of the Dead de Craig D. Louis dans leur collection Eclipse, ainsi que Zombie Fallout tome 1, le commencement de Marc Tufo, également dans la collection Eclipse. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu juste là à l'instant, le courrier vient de passer, donc un service presse envoyé par l'auteur. Donc il s'agit de « Sont-ils déjà parmi nous ?» de Florence Chevalier. Donc un petit texte, qui était sorti uniquement en numérique et que là, j'ai pu avoir au format papier. Donc c'est très court, que je trouve le nombre de pages. Il y a 38 pages, donc je pense le lire courant de la semaine qui vient. J'essaierai de le caser une après-midi. Et ah oui, il est dédicacé. Donc bah c'est tout pour cette semaine. J'espère que la semaine prochaine sera un peu plus fournie, mais ça m'étonnerait vu que en plein mois d'août je reçois pas grand chose. Donc on verra bien, sinon bah, ce sera dans 2 semaines. Donc je vous dis à bientôt.